Et alors les francs-maçons, on ne peut pas mieux les définir que par cette formule « L'homme se fait Dieu contre Dieu qui s'est fait homme ». On ne peut pas tomber plus juste, en tout cas avec les francs-maçons. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas... ils ne nient pas véritablement l'existence du Dieu, je crois. Mais ils refusent son amour. Parce que ils sont, la plupart sont déistes. Au Grand Orient, ils disent qu'ils sont athées. Je crois. Satan n'est pas athée, il est déiste. Puisque si Dieu n'existe pas, lui non plus. Donc il faut être. Donc un franc-maçon, je vois mal un franc-maçon coexister avec un Dieu qui n'existe pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Mais alors voilà, une chose qu'il ne supporte pas. Donc l'existence de Dieu, je dirais, elle est nécessaire pour s'opposer en quelque sorte. Pour, voilà, comme adversaire. Mais alors, ce qu'il ne supporte pas, c'est que Dieu, soit amour, aime sa création au point de s'être incarné. Ça, il ne supporte pas l'incarnation. C'est extraordinaire. Je ne veux pas être aimé, ça ne m'intéresse pas, je suis grand tout seul. Je ne sais pas quel est leur raisonnement, mais ils n'ont pas besoin de ça. Ils font leur salut tout seuls. Une folie, véritablement. C'est la grande folie des francs-maçons. Les francs-maçons sont des antichrists, ce sont des lucifériens. Ils ne supportent pas le Christ et son incarnation, et donc l'Église. Et donc c'est une lutte acharnée, on peut dire. Le but final, c'est d'anéantir la création. Comme ne peut pas tuer Dieu. Satan est puissant, c'est ce que disait très bien Farida Belgoud. Satan est puissant, il n'est pas tout puissant. Et j'admirais cette phrase, Satan est puissant, il n'est pas tout puissant. Ils ne peuvent pas tuer Dieu, alors que faire? Il faut dissoudre les consciences, c'est ce qu'ils veulent. Une perversion permanente, c'est l'appel au blasphème, c'est l'appel à l'homicide, c'est l'appel au mensonge. Liberté, 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 tuer aussi bien, vous voyez, mentir, tout ça c'est parfait. Parce que ce qui n'est pas absolu, la vérité n'est pas absolue, c'est le relativisme. Ce qui est absolu, c'est la liberté. Alors nous prions pour eux, vous savez comme moi. Et je terminerai, mais on l'a dit peut-être déjà 100 fois, mais on peut le redire. C'est une chose que j'aime beaucoup. Dieu a dit « aimez vos ennemis ». On doit aimer les francs-maçons. Oui. Non, alors, on doit aimer les francs-maçons, mais pas la maçonnerie. Oui. Là, il faut la dénoncer. Et c'est aimer les francs-maçons que de dénoncer la franc-maçonnerie qui les perd. Parce que qu'est-ce que nous souhaitons pour eux? Nous souhaitons le meilleur, c'est-à-dire que quand ils mourront, ils puissent voir Dieu, mais à ce moment-là, il faut qu'ils acceptent le pardon de Dieu. S'ils le refusent, c'est une affaire terminée pour eux et pour l'éternité. Vous êtes bénis entre toutes les femmes.